Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2. Alors je voulais commencer l'épisode après que la nuit soit tombée, mais j'ai trouvé un sanglier, donc j'en ai profité pour lancer l'épisode maintenant. On va le tuer d'ailleurs. Donc les sangliers sont inoffensifs et c'est une source de nourriture vraiment énorme. Donc là on va le courser jusqu'à temps de le tuer. On est super bien, je viens de trouver des champignons là et du chanvre. Et j'étais en train de ramasser un peu de bois. Par contre, le sanglier. Hop. Hop. Alors, je tryhard du. Ok. On l'a récupéré, donc on le dépece. Pour récupérer la viande, la graisse, etc. On va voir un petit peu les loots qu'on a pu gagner. On a pu gagner 5, ça c'est énorme, 5 porcs qu'on va pouvoir faire chauffer. Du cuir, du tissu. De la graisse animale. Et on a récupéré du champ. Du chanvre. Et des champignons. Donc là, franchement, ce début d'aventure, il est vraiment génial. Salut le mail. Le mail. Ouais, le mail. Je rappelle que je suis encore une fois en live. Donc je suis nickel. On ramasse tranquillement de la pierre. On se met bien. Après, on ira faire chauffer notre nourriture. Là, il va commencer à faire nuit. Donc ce que je fais, c'est que je vais ramasser un maximum de bois et de pierre avant qu'il fasse nuit. Et dès qu'il fera nuit, on sera à la maison. On sera mieux. Parce que niveau visibilité, ça va pas être le top du top, même si j'ai une torche. J'avais vu d'autres pierres. Donc là, franchement, waouh. Début d'aventure, énorme. Vraiment énorme. Par contre, si j'avais vu une pierre au loin là-bas, j'avais vu même deux pierres. On va se concentrer sur la pierre en priorité. Voilà, nickel. Pour découper les animaux, fais-toi un couteau en os. Oui, ouais, je sais, mais la hache marche très bien et ça l'utilise pas beaucoup. Salut Alexou59. Hop. Salut, salut. Ouais. Ok, je vois du chanvre là-bas, c'est nickel. C'est nickel, on va le chercher tout de suite. Donc le chanvre qui donne du tissu, je rappelle, c'est vraiment ultra important. Le chanvre, c'est la base. La base pour le tissu. Et pour se faire des vêtements. Parce qu'on ira dans la neige par la suite pour essayer de découvrir des nouvelles zones. Et c'est le follow. Et... Salut, salut! Eh, pas classe mon petit truc. Moi je trouve que ça gère. Ça gère, ça gère. du bois, de la pierre gratuite. Ah non, du soufre, très intéressant. On récupère les deux pierres avant qu'il fasse nuit. Oh, notre hache qui va casser, j'ai pas fait gaffe à ça. Faut qu'on se fasse des outils en rab. Non, pas ça d'abord. On va se faire ça et ça en rab. Bah pour le coup, elle est cassée. Dommage, on va devoir attendre 20 secondes, c'est pas grave. Mais là, franchement, on est vraiment bien. On est vraiment bien, je le répète. Je l'ai beaucoup répété qu'on est vraiment bien, mais on est tellement vraiment bien que je le précise, quoi. On est au top du top, là. Hop, je récupère ma petite hache. Ma petite pioche, voilà, je cherchais le nom. Là, il va faire nuit, donc on finit de récolter ça. Et au loin, je vois une biche. Et la biche, on ne pourra pas la tuer pour le moment. Est-ce qu'on peut faire un arc? C'est ça que je me... Et salut, encore un follow, mais qui ne marche pas, dis donc. Faut que je règle ça. J'ai une question primordiale. Waouh, c'est primordial. As-tu déjà mangé de la poutine? Si oui, aimes-tu ça? Non, j'ai jamais mangé de poutine. Voilà. Pour répondre à ta question. Ah si, ça marche! Ça marche! C'est génial! C'est génial. Salut du coup, Isoto. Isoto, la petite alerte, tout ça, tout ça. Je suis content. Je suis content que tout fonctionne. Je suis vraiment content. On rentre au bercail. Il n'y avait pas une autre pierre. J'étais persuadé d'en avoir vu une autre. Bon, c'est pas grave. Par contre, au niveau nourriture, on va peut-être manger du maïs. Hop, voilà. C'est bon pour la santé, le maïs. C'est québécois pour info. Ah d'accord. Bah, je savais pas. On rentre au bercail. Je vais essayer de ramasser un petit arbre avant, parce qu'il fait pas encore totalement nuit. Donc voilà. Un petit peu de bois, on a un petit peu de bois, un petit peu de pierre, de la nourriture, on a du maïs,
Qu'est-ce qu'on a? On a pratiquement le champignon, maïs, citrouille, du porc. Le porc, franchement, quand j'ai vu le sanglier, j'ai fait... C'est magnifique. Cette aventure est juste magnifique, quoi. On a un sanglier qui s'offre à nous, tu vois. Il nous dit, allez, c'est parti. C'est ton let's play, il est pour toi. Ça va super bien se passer, j'arrive. Et le sanglier, voilà. Donc là, je suis complètement refait. Si on peut croiser un autre sanglier, alors là, bon, bah là, je sais pas ce que je fais. J'invite les sangliers dans ma maison, là. Je fais un élevage. Je fais un élevage, même si c'est pas possible, c'est sûr. C'est sûr. On peut se permettre de ramasser encore un arbre. Puisqu'il fait pas encore totalement nuit. Ah, elle est cassée. Pas grave, on a prévu le coup. On a prévu le coup. Et donc par la suite, donc là pour l'instant on finit notre maison. Enfin, on finit le minimum syndical pour sécuriser notre maison. C'est-à-dire porte en acier, digicode. Et je pense que c'est pas mal. Et les murs en pierre, bien évidemment. Et après on ira commencer à découvrir les morceaux de cartes. Pour chercher des plans. Donc les plans, on les trouve sur les routes, dans des tonneaux. Donc les... Oh, il y a un chien. Alors les chiens, je m'y approche même pas. C'est le truc le plus dangereux au monde. Après les ours, bien sûr. Il y a une... Je finis la pierre, ouais, allez. On se fait une pierre. On se fait la petite pierre, on en a vraiment besoin. Ok, nickel. Ah. Le follow qui a encore décédé. Le follow marche une fois sur deux, hein. C'est déjà pas mal, je suis content. Ah non, c'est juste que j'ai le son avant l'image. Ah d'accord. D'accord, bienvenue, je ne dirai pas le nom. Hop, donc là on est à la maison. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire chauffer la nourriture. Alors je vais vous montrer ça tranquille, mais d'abord on place l'armoire. Comme je vous ai dit, l'armoire on la place au centre de la maison, c'est la base des bases. Et on s'autorise à construire, voilà. Donc seule la personne pouvant accéder à l'armoire pourra construire. Donc, qu'avons-nous? Ah, j'ai un arc. Alors, ce que je comprends pas, c'est que l'arc, on n'en a pas crafté et j'en ai un. Donc c'est... Voilà, je sais pas. Faudra qu'on m'explique, j'ai peut-être loupé quelque chose, vous l'avez peut-être vu. Ou alors je les crafte sans faire exprès, mais on a un arc et je savais pas, c'est apparu comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. On va faire chauffer la nourriture, donc on allume le feu grâce à du bois, et on va pouvoir mettre nos petites côtelettes à faire chauffer. Hop. Donc là, vont cuire tranquillement et vous allez voir. Plus tard, je veux que tu ailles taper sur Google Poutine, s'il te plaît. Ouais, pas de souci, on ira après, tranquillement. Si t'as craft. Ah d'accord, j'ai craft l'arc. Oh, c'est fou ça. Fais un petit four pour faire fondre le métal. Il n'y a pas de souci. On va faire le four, c'est prévu. Le four. Est-ce qu'on peut le crafter? J'ai vu... On va voir qu'est-ce qu'il nous faut pour crafter tout ça. Donc les côtelettes de porc, alors attention, vous allez voir pourquoi c'est magique les côtelettes. Alors on va pas les faire cramer parce qu'elles peuvent cramer, donc on va faire attention, on va les récupérer avant de faire des bêtises. Je laisserai le feu allumé pour que vous puissiez avoir de la luminosité, même si ça me gaspille du bois. C'est plus sympa d'être dans une ambiance où on voit clair. Je vais attendre que ça chauffe. Et pour la porte en métal et le digicode. Ouais, bah oui, c'est ça. J'ai quand même... Ah, c'est cuit, d'accord. Hop, regardez, je mange une petite côtelette, regardez la barre de faim. C'est magique, c'est... C'est magique, voilà, tout simplement. Donc on voit à peu près clair. Donc ce qui est déjà pas mal. Donc là on va finir d'améliorer nos murs en pierre, déjà, ce qui est la base. Je sais qu'il y a un mur qui est en bois. Mais lequel? C'est celui-là. Hop, on fait attention que le côté lisse soit bien de notre côté. On va améliorer le sol. Et là on améliore le bois, pareil. Hop. J'améliore le sol, oui, enfin le sol au plafond, parce que c'est un sol qu'on met au plafond. On le met en pierre aussi. Hop, nickel. Nickel. Énorme.
Ici, par contre, on voit rien. On verra ce qu'on a oublié dès qu'il fera jour. Mais là, j'essaie de tout mettre pour l'instant en pierre. On voit pas grand-chose. Je pourrais mettre un deuxième feu de camp, mais j'ai pas envie de gaspiller plus de bois. On est bien. On est carrément bien. Alors maintenant... Ah oui, les fondations, c'est le plus important à mettre en pierre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au début. On va faire les fondations en priorité. Parce que si on nous pète les fondations, la maison s'écroule. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ira chercher du bois dès qu'il fera jour. Là, qu'est-ce qu'on peut faire cette nuit? C'est voir le craft du four tranquillement. Le craft du four. On va pas dire de bêtises. Alors le digicode, il est là. Mais en priorité, il nous faut le four. Le four. Il nous faut 200 de pierre, 500 carburant de faible qualité. Voilà, donc la pierre, on aura pas de mal à en trouver. Le bois, c'est pareil, pas de mal à en trouver. Le carburant, il nous en faut 50. Et on peut en faire 9 seulement. On peut faire que 9 carburants pour le moment. Pour faire du carburant, il nous faut de la graisse animale. Donc la graisse animale, on va pouvoir la récupérer. Mais pour nous aider à la récupérer, il va nous falloir des flèches, qu'on va faire tout de suite. Parce qu'il va falloir qu'on tue des animaux. Forcément, il n'y aura pas que les sangliers qui seront utiles. Donc on va créer des flèches. Avec les flèches, on tue les animaux, on récupère la graisse animale. Avec la graisse animale, on fait le four. Voilà, voilà un petit peu l'ordre. Voilà un petit peu l'ordre. Je vais planter. Je vais planter tranquillement. Qu'est-ce que je vais planter? Qu'est-ce que je voulais planter? Oui, on va planter tout de suite les graines pour que c'est le temps de pousser. Je vais prendre ma torche à la main pour que vous puissiez voir quelque chose. Hop. La torche, où es-tu? Je l'ai jetée. Je l'ai jetée. Non? Ah non, d'accord, elle est là. Il n'y a pas de souci. Hop. Et en plus, il pleut, non? Non, il pleut pas. Donc, tu auras 32 carburants. Ah d'accord. J'en ai 36 même. Ah oui, c'est sympa. Ah, j'ai mal regardé alors. Bon, bah tant mieux. Donc on va planter tout de suite nos... C'est quoi ça? Un loup. Alors on s'approche pas, on s'approchera pas du loup. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut tuer le loup aux flèches? Le problème, c'est qu'on va pas voir grand-chose. Ouais. Mince, j'ai jeté ma lance. Alors ça, c'est une boulette à pas faire. On va la récupérer. Dès qu'il fera jour, on va essayer... Non, j'ai peur quand même. Parce que si nous do... il va nous donner de la graisse animale, peut-être. Et si on le tue à l'arc, on va gratter sûrement. On va sûrement gratter. On va attendre qu'il fasse jour. Je n'ai pas envie de prendre de risques inutiles, en sachant qu'on est bien, même si on a un sac de couchage. On va voir déjà qu'est-ce qu'on peut faire comme craft tout de suite. Qu'est-ce qui peut être intéressant et qu'est-ce qu'on peut ranger dans les coffres, parce que c'est vrai qu'on est full inventaire. Demain, on sera pas prêt pour partir. On va pouvoir ranger le soufre, tout ce qui est pierre. Tout ce qui est pierre à faire fondre. Ça aussi. En cuir, on va pouvoir faire des crafts, je pense. On a des flèches, c'est nickel. Des os. Alors les os, on va les mettre ici. Et le reste, on va le garder. On va voir ce qu'on peut faire en cuir en priorité. Je pense qu'en cuir, c'est un peu... On peut faire les armures. Et c'est à peu près tout. Ah si! Du bandage. Du bandage. Et il va falloir qu'on aille chercher des crafts. Comme vous pouvez le voir là, par exemple, j'ai un sur deux crafts. Donc on peut encore trouver deux crafts dans la catégorie soins. Donc va falloir aller casser. Mais une fondation. On a déjà. Il y a déjà les fondations de la maison. On a déjà tout ça. Ah oui, ce qu'on pourra faire par sécurité aussi par la suite. Vous allez voir. Ça sera quand on aura notre four et quand on aura notre porte, hein, blindée. Pour l'instant, les pièges à poissons, pour l'instant, on va pas les faire, ça va pas nous intéresser. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire au niveau craft, de toute façon. On est vite limité pour l'instant. Ça, on est bien, ça, on est bien. Donc là, objectif, graisse animale. Voilà, objectif, graisse animale, et on récupère des minerais. Donc, tout ce qui est... Loot, enfin quand je dis loot, c'est tout ce qui est loot, c'est-à-dire os, cuir et tissu, etc. On va le mettre ici. Le carburant, on peut le laisser là pour le moment. Ça sera à planter. On a du bois
Le bois, on va le garder pour l'instant. Fais une fondation pour le loup. Ah oui! Tout à fait. Parce qu'il y a... Enfin, si le bug... J'espère que le bug marche. Enfin, le bug, entre guillemets. C'est-à-dire que si, là, je place... Ah, il va faire jour. Nickel. On va placer une fondation ici. Si on monte dessus, le loup pourra pas nous attaquer, normalement. Mais par sécurité, je prendrai mes précautions. Je prendrai mes précautions. On va éteindre le feu pour éviter de gaspiller du bois. Voilà. Et c'est parti, on va essayer de tuer le loup s'il est encore là. À l'arc, bien évidemment, à distance. On sait qu'il se trouve ici, d'accord. Et on va monter sur nos fondations. Voilà. Alors, c'est parti. Hop. J'ai peut-être raté mon coup. Non, je l'ai touché. Voilà, on l'a eu. J'ai joué la sécurité. Et j'ai joué la sécurité avec les fondations aussi. Le loup ne loot pas grand-chose. Ouais, mais au moins, on aura vu ce qu'il loot. Là, je peux récupérer ma flèche en plus. Oh, cool. Ça, c'est pour dire j'ai pas peur des loups. Tiens, coup de hache. Allez, qu'est-ce qu'il m'a loot? Eh bah, il loot des choses pas mal. Ça, on va l'écraser. Bah, de la viande de loup. Et la viande de loup, j'apprécie. On va se faire des vêtements. C'est-à-dire un pantalon en peau. Pour l'instant, on va se faire un pantalon en peau. Alors, la peau, elle sert peut-être à faire autre chose. Et des bottes. Mais, pour l'instant, des petits équipements, ça coûte rien. Voilà. On en retrouvera. On va ranger nos affaires très rapidement. Et on est parti. On est parti pour... hop, ça, on va le ranger. Qu'est-ce qu'on peut ranger? Le tissu. Ça, on fera chauffer par la suite. Donc, coffre à nourriture, c'est le coffre qui sera tout à droite. Voilà. Et coffre d'hiver, ça sera celui-là. Provisoirement. Ah non, ça c'est de la graisse, autant pour moi. Ah oui, mais on peut faire du de la graisse supplémentaire. C'est où? Carburant, il nous faut des tissus. Et il n'y a pas de souci. Des tissus. On peut faire de la graisse. Hop, on va en faire. On a des flèches en préparation dans le coffre à divers qui est là provisoirement. On va mettre ça parce qu'on n'en a pas besoin. On a beaucoup de bois. Et on va garder ça à proximité. Et on va planter nos graines. C'est parti. On en profite qu'il fasse jour. Donc là, on a organisé nos coffres. On perd pas plus de temps. Ça, on va mettre ça. On va planter ça tranquille, aléatoirement ici. En mode pas du tout organisé. Nickel. Plan de construction. Ah, on aurait pu le ranger en attendant. Bon, c'est pas grave. Eh bien, c'est parti. C'est parti, je mange une petite côtelette pour se mettre bien. Donc, objectif. Animaux. Animaux et bois-pierre. Voilà. C'est parti. Et il pleut, donc ça, c'est pas cool du tout. Couteau en os, c'est mieux pour des... Ça te... Dis pas de bêtises. Plus de loot. Ah, plus de loot? Ça serait intéressant. Comment on le fait, ce couteau? Fragment d'os et tissu. Eh ben, on le fera par la suite. Pas de soucis. Je retiens. Si ça donne plus de loot, je crache pas dessus, c'est clair. Hop. Donc là, objectif pierre et bois. Et animaux, voilà. On va déjà faire ça dans l'ordre. Ce serait du chanvre, non? Oh, champignons! Alors, champignons, je crache pas dessus. De toute façon, tout ce qui est nourriture, on crachera pas dessus. Donc voilà, on a notre objectif pour la journée. C'est parfait. Non, prends ta hache, toi. Voilà. Je vérifie, je tourne ma tête à droite à gauche aussi pour vérifier qu'il n'y ait pas un ours ou quelque chose qui surgit. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose pour l'instant, donc on est assez bien. Non, on est vraiment très bien. On est vraiment très bien. Ok, du bois, de la pierre. Et bien évidemment, le plus important pour l'instant, ça sera les animaux pour avoir la graisse. D'ailleurs, je veux voir si on a... On en a 8. Ah, c'est pas beaucoup, 8. Et on va pouvoir mettre notre fameux pantalon et nos bottes. C'est cool. Pantalon, bottes, ça nous permet d'avoir moins froid. Et d'avoir moins froid, bah, c'est toujours mieux pour la survie, voilà. Tout simplement. On va se diriger au nord. Voilà. Pour l'instant, on va essayer de... Ah oui, mais il y a la rivière à traverser. Bon, c'est pas grave. On va se diriger au nord. Moi, je suis pour plus de loot. Mais je crois. D'accord. Bah, on verra ça. De toute façon, j'essaierai de faire un couteau. Mais déjà, ça donne pas mal de loot, je trouve. Donc c'est cool. On va aller vers le nord.
Plein nord. Ça m'intrigue, plein nord. Oula, noie-toi pas, s'il te plaît. C'est pas le moment. On va essayer de retrouver un petit sanglier. Ça pourrait vraiment nous mettre bien. Parce que bon, la nourriture, c'est bien. Mais c'est pas quelque chose qui dure infiniment. Des citrouilles, voilà. Parlons de nourriture. Continuons à parlons de nourriture, on en trouve. Cloc, cloc, cloc. Il n'y a rien du tout. Du chanvre aussi, ça pourrait être cool d'avoir un peu plus de chanvre. Ça pourrait être vraiment sympa. Par en haut, là je commence à bifurquer n'importe où. On voit du chanvre aux alentours et ça c'est super bon. Oh, nickel. Pour la santé, ça. Super bon. Ça nous donne du tissu. Hop, parfait. Je vois du chanvre là-bas. Je vois du bois à droite et je vois de la pierre ici. Ah, j'ouvre les yeux maintenant, j'ai plus de réflexes pour récupérer les ressources. Je loupe beaucoup moins qu'avant. Ça enlève plus de dégâts, mais pas plus de loot, d'accord. Donc ça m'intéresse pas pour le coup. Hein, la hache fait très bien son taf. J'avais vu du chanvre, mais je le vois plus. Ah si, ici. Hop, on récupère le chanvre et on récupère la pierre. Voilà, c'est parti. Donc là, c'est les débuts, donc pierre-bois, ça va être l'essentiel. Pierre-bois, pierre-bois, pierre-bois. Surtout la pierre pour récupérer du soufre, des minerais de métal, etc. Et on va monter en puissance petit par petit, voilà. Ça va se passer comme ça. Et je pense que ça sera le meilleur moyen. Voilà, faut pas commencer trop vite. Comme on le dit, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, voilà. De la pierre, c'est parfait. On continue plein nord, bien évidemment. Plein nord, c'est par là. La carte qui est très utile aussi. On retient que le point rouge aussi, c'est notre maison. Et si on trouve un endroit, on le marquera. Si on trouve un super endroit qui est intéressant, on le marquera. Hop. Nickel. Fais-toi un deuxième étage. Alors, il y aura un deuxième étage une fois que le premier étage sera totalement sécurisé, c'est-à-dire porte blindée avec digicode. Voilà. Après, les murs, bon, on va les laisser en pierre pour le moment. Mais par la suite, ils seront en métal... Le plus blindé, le meilleur métal, voilà. On fera pas de la tôle. La tôle, c'est une étape qu'on sautera. On fait pierre et direct le blindage. Ça sera mieux niveau ressources, de toute façon. Et après, on agrandira petit par petit. Et on commencera à se faire un gros bunker, ouais. Ça va être vraiment énorme. Ouais, déjà pierre. Pierre et ressources. J'aimerais bien croiser des animaux, par contre. On n'en croise pas beaucoup. En plus, on est en plaine. Là, j'espère qu'on va en trouver davantage. Plein nord, c'est par là. Et si on croise une route, alors là, on sera vraiment bien. On va pouvoir ramasser des morceaux de plants qui vont nous permettre d'avoir des nouveaux crafts. Et ça va être vraiment génial, ça. C'est par là. J'espère que je ne loupe pas trop de ressources. Je fais gaffe aux ours, encore une fois. Plein nord, ouais. Direction plein nord. Là, qu'est-ce qu'on a? Du maïs au loin? Est-ce que je vois vraiment du maïs? Oui, c'est parfait ça. Ouais, nickel. Nickel, maïs, est-ce qu'on a autre chose à proximité? Non. Si, on a un peu de minerai de métal. Oh, du bon maïs, ça c'est super bon pour la santé. Hop, et des citrouilles, oh là là, que demander, que demander. Par où on va? Non, ça c'est le vocal. Ok, on continue. Par là, en plus il y a du maïs, oh nickel ça. Tiens, ça va, pour l'instant la map nous laisse pas mourir de faim et des citrouilles qui ont été ramassées. Ah non. Oh nickel. Nickel, nickel. Par contre on est full, c'est fou. On va manger du maïs tranquillement. Hein. On profite d'avoir du maïs sur nous. Pour le manger. Pour boire, on aura les rivières, il n'y a aucun problème. Oh, il y a encore du maïs, mais il y en a vraiment partout, c'est vraiment bonheur. Oh là là, niveau nourriture. Franchement... Chapeau, oh là là, mais niveau nourriture, on demande quoi? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus là tout de suite? Des citrouilles! Des citrouilles d'ailleurs. Oh! Un sanglier! Mais que demander de plus niveau nourriture? Expliquez-moi! Expliquez-moi que. Est-ce qu'on peut avoir mieux niveau nourriture? Blé, citrouille! Et là, on a un maximum de. Tu feras des antennes.
Des lanternes avec les citrouilles, ça fera de la lumière. Ah d'accord. Bah je préfère la manger, hein, je te rassure. Hein. Et d'ailleurs, je sais qu'on peut les mettre ici. Ça permet d'avoir un slot supplémentaire, d'avoir une citrouille sur la tête. Et ça, j'ai bien retenu la leçon. Et bah écoutez, niveau nourriture, je souffle un coup, je suis soulagé là, clairement. Par contre, je suis moins soulagé sur l'inventaire qui est plein. Je suis complètement plein niveau inventaire. Après, je peux manger, mais je suis déjà full nourriture et j'ai pas envie de gaspiller. Donc là, c'est le top du top. On va pouvoir. Alors, par contre, on a dit plein d'or. Je pense qu'on va retourner à la maison. Pour le coup, on va pas avoir le choix. Oh, champignons, mais oh là 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 là. Magnifique. Citrouille. Plus que magnifique. On va retourner au bercail, on va pas avoir le choix. Ouais, on est full, les gars. Et bah dites merci aux citrouilles, dites merci à la nourriture. Non, en tout cas, franchement, j'aurais préféré avoir un peu plus d'animaux, mais on est méga bien. Regarde, pose-en juste une sur le sol. Ah oui, au niveau des lanternes. Non, pour l'instant, je vais tout conserver pour la nourriture. On va pas s'amuser à faire des lanternes. Hop, du bois. Bon, au final, notre expédition, c'était le faire le plein de nourriture. On va pouvoir, la prochaine fois qu'on part... La prochaine fois qu'on partira, ce sera pour... Bah, ce sera pour vraiment commencer à récupérer un peu plus de ressources et je vois du maïs au loin. Eh, mais... Sincèrement. C'est quoi cette map de... Oh non, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Le marteau en bois, je suis désolé, mais... Ça coûte rien, je pourrais en refaire un. Donc je vais ramasser ça. Et il nous manque une place pour le maïs. Qu'est-ce qui peut être inutile, entre guillemets? Qu'est-ce qui peut être inutile? J'hésite. J'ai envie de dire le plan de construction. Il coûte rien du tout, il coûte 100 de bois. On pourra se le refaire. Hop, voilà. Et on retourne par là. Non mais je vois un autre maïs là-bas, c'est une blague. Niveau nourriture. Il nous faut un frigo, faut qu'on crafte un frigo tellement qu'on a de nourriture. C'est la première fois d'ailleurs dans le jeu depuis que je joue que je dis que j'ai trop de nourriture. C'est bien la première fois dans le jeu. Je pensais pas pouvoir dire ça un jour. Hein. On a trop de nourriture les gars, hein, de quoi? Pas possible ça. On va manger du coup du maïs. Et voilà. Non mais il y a encore plein de nourriture. Help me. Qu'est-ce que je jette? Je suis déjà full nourriture. Fragment d'os, ça sert à rien pour l'instant. Je vais dire adieu à ma lance, parce que ma lance, j'en veux pas. Voilà. Franchement, la lance, ça coûte rien. Et puis on a un arc, donc l'arc, il fera largement le taf. Et puis voilà. Bon. On rentre au bercail. Ok, j'ai cru que c'était encore du maïs, mais non, il a pas poussé. Ouh, ça rassure. Ça rassure. Il y a encore du maïs. Je note la position sur la carte, voilà. Je vais arrêter mes bêtises. Donc, je note ici. Maïs. Point jaune, maïs. Voilà. Par contre, j'aimerais bien rentrer chez moi. Et là, on vient de passer un fleuve inutilement. Il y a encore du maïs, mais partout. On est envahi de maïs. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Par contre, sprint. Voilà. Sprint dans l'eau. Ouais, on va se caler là-bas. On aura encore un petit lac à traverser. Hop, on ramasse bien évidemment minerai de métal. Par contre, on va pas pouvoir faire le four et c'est ça qui m'embête. Là aussi, on a encore du maïs, mais c'est une blague. Bon, je retiens qu'en ligne droite, on a du maïs à volonté. Est-ce qu'on pourrait trouver un petit animal rapidement? Histoire d'avoir... Juste histoire d'avoir... Bah de quoi faire un four. Là-bas, il y a du chanvre. Ouais, il y a du chanvre. On va le ramasser vite fait. Juste histoire d'avoir du tissu. Et ouais, il va nous falloir... Il va nous falloir un petit animal. Parce qu'on en avait combien? 40 et des brouettes? On en a combien là? 8? On en avait combien? 30 ou 40 et des brouettes? Je sais plus du tout. Mais je crois qu'on n'a pas assez. Et là, il y a des citrouilles, mais... Je note aussi là sur la carte.
Nourriture à volonté, voilà. Comme ça, la prochaine fois qu'on part en expédition, on ramassera ça au retour si on a de la place. Es-tu seul ou quoi sur le serve? Non, on est à peu près une dizaine sur le serveur. Il a été wipe aujourd'hui, dans l'après-midi. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde pour le moment. Il vient juste d'être wipe en fait. Mais non, clairement, et c'est surtout que je suis en extrémité de map. Je suis en extrémité, donc je pense que vu qu'on est une dizaine pour l'instant, et qu'il y aura plus de monde par la suite, vaut mieux se mettre bien dès le début, quoi. Et mettre les plans de ressources, enfin, mettre les endroits où il y a des ressources, quoi. Histoire d'être bien. Je vais poser ça au bercail, on y arrive. La maison, allez. On l'a passé. C'est pas possible. Où est notre maison? C'est fou, j'arrive même plus à trouver la maison. Bah, le point rouge, il est là. Un sanglier, mais c'est une blague. Il y a un sanglier. Il est où? Il nous abate. Ah, là-bas. Il y a un sanglier, mais c'est magnifique. Et en plus, on est proche de la maison. Oh là là. Il est où? Il est là-bas. Je vais le choper à l'arc sinon. C'est magnifique. Bon, niveau nourriture, je vous embête plus après. Là, c'était épisode nourriture, hein, clairement. Voilà. Tu m'as saoulé, je te mets une flèche. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Sanglier supplémentaire. Oh là là. Casse. Casse. Nickel. On a 10 co... Oh là là. Nickel, nickel. Par contre, j'ai pas trouvé la maison, alors soit je... Oh, y'a... On peut faire le carburant. Carburant. C'est parti. On a notre four, du coup. Et attendez, y a un cheval. Croyez-vous qu'on peut le choper? Non, sérieusement? Oh, elle est trop loin. Ok. On va faire les priorités par les priorités. On rangeait tout le stuff. Et on commence à faire le four, les crafts, tout ça, tout ça. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois plus notre maison. Alors que j'ai mis le point. Alors peut-être que mon point est pas précis après. Allez là, notre maison, d'accord. Et on est... Ah non, c'est juste moi qui est complètement débile. On est au centre du point rouge et je suis pas fichu... Non, autant pour moi. Autant pour moi. Alors là, franchement, on va se faire zizir. Alors pour commencer, coffre à nourriture. On va poser. Tout ça, oh là là, regardez-moi ce qu'on pose dans ce coffre. Et on a assez de graisse, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va crafter? Le four, c'est parti. Toi, tu arrêtes de craft. On va crafter notre four. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, on va garder nos items. Hop. Et on va poser. Hop. Alors. Nourriture, j'avais vu de la nourriture, voilà. Les champignons. Puisqu'on a déjà des côtelettes. Et on va planter nos graines, voilà. C'est ce que je voulais faire. En attendant de faire chauffer nos minerais. Tout à fait, voilà. Ça y est, je me repère. Nos minerais qui sont là. Et on rappelle qu'il faut refaire un marteau. Et c'est à peu près tout, ouais. Et non, feuille de papier pour refaire un plan de construction. Voilà. Là-dedans, on va ranger ça. Et ça, on le garde pour le moment. Voilà. Pour voir ce qu'on peut faire par la suite. Waouh! Coffre à nourriture, j'ai oublié qu'on pouvait poser la tête et ça. Et on va poser le four. On commence à faire chauffer. On va planter nos graines. Voilà. Là, on est super bien. Le four, on va le mettre là. Nickel, il est beau. Oh, il est beau notre four! Mets 1000 de bois là-dedans. Voilà. Fais-toi zizir. Tu vas me mettre. Il va nous falloir en priorité, que je dise pas de bêtises, du minerai de métal. Voilà, c'est ça. Donc ça, on peut le poser. Ça aussi, ça aussi. Voilà, minerai de métal en priorité. Alors, la technique, c'est, faut diviser ça par 3 pour laisser de la place au minerai et au charbon. Et on arrive à peu près 300. 320, kiff kiff.
Et on allume, c'est parti. Et c'est parti, on commence les choses sérieuses de la maison. Je vérifie que j'ai tout amélioré en pierre au niveau du toit. Tout est en pierre, c'est parfait. Et au sol, c'est pas parfait. Donc on sécurise les fondations. Mince, je fais des bêtises, c'est pas ça du tout pour améliorer. Alors comment on récupère? Bonjour, je veux récupérer ma hachette. Voilà. Si je commence à faire des bêtises comme ça. Hop, on améliore ça en pierre. Avant que notre maison s'écroule. On a plus de pierre. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas ramassé beaucoup de ressources puisqu'on a passé notre temps à récupérer de la nourriture, ce qui est pas plus mal. Et là, on va commencer vraiment les constructions sérieuses, ça va être le feu. En plus, tout ça, regardez toute la nourriture qui pousse. Regardez-moi toutes les graines et toute la nourriture qu'on va se faire. Oh. Là, on a un champ. C'est un champ, c'est même plus de la nourriture, c'est un champ. C'est carrément un champ ce qu'on est en train de faire. Hop. Voilà, donc si quelqu'un passe ici, je serais bien deg. De la pierre, nickel. On ramasse un maximum de pierre. Qu'est-ce que je peux ramasser en plus? Du bois en attendant, mais d'abord je veux m'assurer. Ouais. Je veux m'assurer que de bien ranger mes affaires. Et après on tranquillement on ira prendre bois et pierre. Voilà, chaque chose en son temps. Donc du coup, c'est la fin de l'épisode 2. On est super bien. Dans le troisième épisode, on commencera les choses sérieuses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter la vidéo et à vous abonner pour suivre tout ce qui arrive, tout ce qui arrivera. Et je vous dis à plus. Allez, bye bye.